Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour une troisième semaine de Confine Live déjà. Le temps passe vite, en tout cas on l'espère qu'on vous aide à le faire passer un peu plus vite. Et c'est déjà l'émission numéro 13 aujourd'hui, une petite pensée pour les superstitieux. Aujourd'hui on va aborder la seule catégorie qu'on n'a pas encore abordée en rallycross depuis le début de Confine Live et c'est certainement la plus spectaculaire et donc on tenait forcément à faire une émission un petit peu spéciale pour ce thème-là. C'est une transition parfaite avec l'émission qui a eu lieu samedi en rallye qui était aussi sur le thème du Super 1600, à savoir qu'en rallye c'était dans les années début 2000 alors que nous en rallycross c'est toujours d'actualité et plus que jamais. Ça a fait les belles heures du rallycross, et je peux vous garantir que c'est une vraie volonté au sein de Lafort et de Jean-Jacques Benezet notamment de faire perdurer cette catégorie qui offre toujours un spectacle assez extraordinaire. Aujourd'hui pour m'accueillir, alors comme vous le savez, dans Confine Live, on essaye toujours d'apporter des petites nouveautés, des petites choses à chaque émission pour s'améliorer et vous faire découvrir de nouvelles choses. Aujourd'hui, la petite nouveauté, c'est clairement que la personne qui va m'accompagner est un pur spécialiste rallye. Il connaît le rallye les 30 dernières années sur le bout des doigts, mais il n'a vécu que deux rallycross en spectateur l'année dernière, même pas il y a 2 ans. Et donc, ça sera un néophyte à mes côtés. Salut Eric. Ouais, salut Mathieu. On peut dire même une buse, hein, parce que là, pour le coup, je vous assure que j'y connais vraiment pas grand-chose. Mais effectivement, tu as raison. Le concept Confine Live, on veut essayer de faire des choses différentes. Et ben là, moi, je me disais, tiens, comme j'y connais rien, autant présenter l'émission à tes côtés. Voilà. Non, mais voilà, ça sera clairement une petite nouveauté, mais je suis sûr que ce sera hyper intéressant. On tient vraiment à faire le lien entre les deux émissions. On sait qu'il y a de plus en plus de spectateurs du rallycross qui vont regarder les émissions de rallye et vice-versa. Et donc, d'avoir un œil un peu nouveau et des questions peut-être un peu différentes qu'on a l'habitude de poser, que ce soit avec Jean-Jacques Guibal ou Cyril Comer que j'embrasse. Ça pourra permettre aux gens du rallye de découvrir encore une fois le rallycross. Aujourd'hui, à nos côtés, on aura la chance d'avoir 4 invités. On aura 2 figures clairement du Super 1600 en France et même d'Europe. On les accueillera très rapidement là d'ici 10-15 minutes, donc restez connectés, ils nous rejoindront. Mais pour commencer, avec nous, 2 petits jeunes. Un a été champion de France junior en 2016, si je ne dis pas de bêtises, l'autre en 2018. Ils font leurs armes maintenant, donc depuis 2-3 ans pour l'un, 2 ans pour l'autre en Super 1600. Donc j'accueille à nos côtés Julien Ardonnière. Salut Julien. Salut, bonjour les gars. Ouais, bonjour Julien. Et Valentin Comte. Salut Valentin. Salut Mathieu, salut Eric, bonjour à tous. Salut Valentin. Bon, comment allez-vous Julien? Comment tu vas? Et dis-nous un petit peu, vraiment rapidement, un peu comment se passe toi ton confinement. De ce que je vois derrière toi, tu n'es pas enfermé chez toi. Bah, ça va, on fait avec. Non, je ne suis pas enfermé, j'essaie de venir au travail. Quand il y a du boulot, j'y vais à peu près tous les 2-3 jours. Parce que nous, on est donc dans la moto et on est en pleine période normalement où on travaille le plus. Donc, il y a quand même un petit peu de demande. Donc, je vais au boulot tous les 2-3 jours histoire de répondre à tout le monde. Ok. Et toi, Martin, du coup ? Bah moi, l'école est suspendue pour le moment, le travail aussi. Donc, je suis un peu enfermé chez moi, mais j'essaye un petit peu de sortir et de me balader, entre autres. Ouais, de ce qu'on sait, tu as plutôt des beaux paysages autour de toi, non ? Pour les gens qui nous rejoignent, tu peux nous dire où est-ce que tu te trouves ? Alors, je me trouve à côté de Thonon-les-Bains, donc entre le lac Léman et les montagnes. Ouais, il y a pire, clairement. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est spécialisé dans le ski et puis l'autre dans la moto, hein, si j'ai bien compris un petit peu le départ de cette émission. Valentin, très rapidement, justement, tes études, est-ce que tu sais un petit peu comment ça va se passer là pour tu passes ton examen en fin d'année ? Est-ce que tu sais un petit peu comment tu vas l'aborder toi aussi? Bah pour l'instant, on est au courant un peu de rien. On attend des nouvelles de l'école pour l'examen et puis voilà, on verra bien. Ok.
Bon, et s'il y en a un qui est spécialiste de ski et l'autre dans la moto, on va bien parler de voiture aujourd'hui. Avant de vous présenter, c'est Eric qui vous présentera, on passe une petite cam embarquée là, pour, voilà, pour se faire plaisir un petit peu aux oreilles. Là. Un petit départ de Super 1600, c'était avec Valentin Comte en cam embarquée sur le tracé de la Varée l'année dernière. Allez, c'est parti. Vous avez pu vivre 30 secondes de bonheur et de ce que peut voir un pilote en Super 1600. Eric, je vais te laisser un petit peu la main pour nous aider à découvrir un peu nos deux invités du jour. Bon, Valentin, je te connais un petit peu personnellement, donc ce n'est pas forcément un secret. Tu as vécu des années rallye quand tu étais tout gamin. Aujourd'hui, dans le rallycross, est-ce qu'aujourd'hui, tu as le cœur qui balance plus pour l'un ou l'autre ? Le cœur balance toujours pour le rallye. Hein. J'attends un peu mon heure. Je suis pressé de faire un rallye un jour, mais pour l'instant, on est très concentré sur le rallycross et c'est là-dedans que j'aimerais évoluer. Et donc, le rallye, c'est la passion, c'est la... Voilà, c'est... Je ne sais pas comment dire, c'est le sport que je préfère, mais pour l'instant, on se focalise sur le rallycross. Tu penses un jour pouvoir faire le lien, enfin en faisant un lien avec le rallye, justement, d'évoluer d'abord sur du rallye terre ? Alors c'est une question, évidemment, ce n'est pas d'actualité, mais est-ce que c'est ta façon d'éventuellement donner une suite ? Là, je vais me faire engueuler un peu par ma famille, mais oui, j'aimerais faire un rallye terre le plus vite possible. Ok, parfait. Julien, alors toi, tu es un ancien champion junior déjà. Aujourd'hui, le Super 1600, c'est vraiment la catégorie dans laquelle il faut évoluer avant d'atteindre. Alors voilà, j'ai envie de dire, c'est l'antichambre. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en rallycross. Yeah. Mais est-ce que c'est vraiment, il faut passer par là pour accéder ensuite au supercar? Je dirais que c'est un parcours logique, surtout que je viens de la Coupe Twingo, donc. Je dirais que si on doit faire un chemin, c'est logique de faire Twingo. Moi, j'aime bien, la Super 1600 s'est ouverte quand j'ai gagné le championnat de Twingo. Je ne me serais pas vu aller en Super 1600 sans gagner le championnat de Twingo. On a réussi à faire ça. Et puis maintenant, aujourd'hui, si un jour on doit changer de catégorie, je pense qu'il faudrait qu'on passe par des victoires et gagner un championnat. Donc oui, c'est la suite logique, ouais. Ouais, mais c'est aussi pour ça que tu es resté en Super 1600 après ton titre. C'est vraiment là où tu te sentais le mieux. Ouais, et puis j'ai encore rien prouvé en Super 1600, donc je vois pas pourquoi je partirais de cette catégorie. Ok, alors bon, vous êtes jeune. Quelle est, selon vous, la clé pour gagner un championnat Super 1600 ? Bon, la régularité, déjà. Dans tout championnat, de toute façon. Et puis, toujours être à fond, pas faire d'erreur. Mais ça va dans toutes les catégories de rallycross. Et puis voilà. Ouais, Valentin, là, la vidéo qu'on a vue, en fait, quand on a deux concurrents devant soi, c'est qu'on a pris un mauvais départ déjà ? Vu les deux concurrents que c'était, non. Ça va. Ça va, c'était même un bon départ, je dirais. Ok. Allez, Mathieu, à toi. Non, mais en fait, vous avez un peu répondu à ma question, mais on peut peut-être le développer un peu. Ouais, ma question, c'était, on sait par quel chemin vous êtes arrivé en Super 1600 en gagnant tous les deux le championnat junior. Pourquoi vous êtes resté en Super 1600, en fait ? Il y aurait peut-être eu d'autres catégories qui auraient pu s'ouvrir à vous. On sait que ton père roulait un peu en Détroit, Julien. Enfin, voilà. Pourquoi tu as décidé, après la Twingo, d'acheter ou de monter ce projet avec la Swift Super 1600 ? Pourquoi tu as décidé de rester dans cette catégorie ? Déjà, c'est vrai que les quatre roues motrices, ça fait rêver. J'aimerais par la suite être en Détroit ou pourquoi pas en supercar si le budget peut le permettre. Mais je trouve que le Super 1600, c'est une bonne école. Il faut être très fin sur les trajectoires. Et puis, on a des sensations extraordinaires. On a toute la puissance passe au sol. On a un peu des sensations comme en karting. On a des très, très bonnes sensations. On a une catégorie avec un niveau qui est extraordinaire. Donc voilà, pour l'instant, je m'y retrouve en Super 1600. On est en train de monter une nouvelle auto qui, j'espère, va être performante. Donc voilà, on est bien en Super 1600. Et puis, comme je disais tout à l'heure,
J'aimerais déjà bien m'installer dans la catégorie avant de partir, quoi. D'accord. Je vais rebondir tout de suite là-dessus. Comme on l'a lu un peu entre les lignes, mais tu as eu deux saisons, on ne va pas se cacher, assez difficiles hein, depuis que tu as la Suzuki. Donc là, c'est clairement un nouveau projet. Et je pense que la première ambition, ça va être déjà de gagner de la fiabilité, de pouvoir rouler, t'exprimer. Parce que clairement, ouais. On a l'impression que le Julien Adornia, il ne s'est pas exprimé depuis 2 ans en Super 1600. Ouais, complètement. On avait fait une saison de, si je reviens un peu en arrière, on avait fait une saison de Twingo qui était extraordinaire avec 5 victoires sur 9 et 2 podiums en plus des 5 victoires. On arrive en Super 1600, on a fait une saison un peu en dents de scie où on a fini 4e du championnat, donc c'était pas mal, même s'il manquait un petit peu au bout. Et puis après, ouais, on a eu une saison 2018 qui était noire. On a fait 4 ou 5 courses, on a fait 3 moteurs. Donc voilà, on avait espoir de revenir en 2019 et revenir fort. C'était compliqué, on a eu des bons résultats, on était performants quand on regardait dans les détails, mais jamais au bout du week-end. Donc voilà, ouais, on a un nouveau projet, on a envie, voilà, sur le papier, la nouvelle voiture devrait être ultra performante. Maintenant, ça reste sur le papier, il faudra le démontrer en vrai. Donc voilà, et puis il y a du développement à faire, donc il y a un peu de boulot avant que cette auto soit performante. Mais disons que l'année 2020 est déjà un petit peu coupée, donc ça va nous laisser un peu de temps. D'accord. Valentin, je te pose un peu la même question. C'était peut-être ta question, Eric, mais toi, c'est pareil. On sait que après cette année avec la Twingo, vous êtes posé beaucoup de questions avec ton équipe, savoir quelle est la suite à donner. Et finalement, vous avez décidé de repartir en Super 1600. Donc, tout simplement, pourquoi ? Tout d'abord, parce qu'on a réussi à acquérir la Twingo. Donc, vu qu'elle est à nous, c'est quand même plus simple de repartir en Super 1600. On s'est beaucoup posé la question de repartir en championnat junior. Avec les nouvelles Clio 5, et on a quand même opté pour la Super 1600 car on a réussi à avoir un nouveau moteur qui normalement va être plus performant que l'ancien, donc on espère jouer devant, être plus régulier que l'an dernier et tout faire pour aller chercher le titre. Eric, tu avais une question ? Oui, Valentin. Est-ce qu'on trouve facilement aujourd'hui des moteurs Super 1600 ? Est-ce que c'est hors de prix ? Alors, je sais que toi, au niveau budget, c'est compliqué, probablement pour Julien, pour tout le monde. Mais toi, tu as été un peu bridé aussi par cette histoire de budget. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive vraiment à aborder une saison avec un peu de sérénité de ce côté-là ? Alors, pour 2020, la sérénité, non, pas du tout. Parce que... Comme toutes les petites entreprises, c'est vraiment compliqué pour tout le monde. Donc, tous les petits sponsors que j'avais qui m'aidaient comme ça un peu pendant la saison, les entreprises sont fermées. Enfin, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, si le championnat est raccourci, ça va peut-être nous aider un petit peu pour le budget. Ok, très rapidement. Alors, j'en profite. Vous êtes jeunes tous les deux. Je voulais parler un petit peu jeux vidéo. Alors, est-ce qu'on retrouve aujourd'hui les circuits du championnat de France et les circuits du mondial pour justement vous entretenir ou en tout cas vous entraîner ? Alors Julien, toi ? Moi, je roule sur PS4, sur Dirt Rally et il n'y a pas les circuits de championnat de France, mais ceux du championnat du monde. Et puis, je pense qu'avant de rouler en tant que pilote, on est passionné, enfin en tout cas moi, et puis j'adore ça, ouais. Valentin, toi aussi, les manettes chauffent ou le volant ? Oui, les manettes chauffent, oui, c'est temps. Je joue un peu tous les jours, donc projet de car ou Dirt Rally 2.0. Ok, donc en fait, il y a quelque chose aussi, il faudrait l'inventer, ou en tout cas, je crois que Mathieu était un petit peu à l'origine. Les circuits français, à un moment ou à un autre, vous avez réussi à tourner un petit peu. Hein. Tu avais tes simulateurs, hein, il me semble, Mathieu. Oui, bien sûr. Sur le championnat de France de rallycross, on pouvait, grâce à la FFSA notamment, on avait pu modéliser les circuits du championnat de France. Donc, je les remercie encore. Et les pilotes ont pu venir s'amuser et pour certains, s'entraîner. On avait même une petite sélection e-sport qui avait permis à un pilote de participer à une course en Twingo. Tout à l'heure, Eric demandait un peu quelle était la clé pour gagner un championnat Super 1600. Et pour répondre à cette question, on n'a rien trouvé de mieux que d'accueillir deux figures du Super 1600. Alors l'un a été champion plusieurs fois, dont en 2015. L'autre jamais, mais il a bien passé. Je vais demander Laurent Charron, Monsieur Maxime. Bonjour, monsieur.
Alors Laurent fait ses derniers réglages. Ça va bien, bonjour à tout le monde. Et Max, pareil, comment tu vas? Max, Alors Laurent, donc, j'avais plutôt programmé pour un retour en 2021, alors soit en Super 1600 ou en Supercar. J'aimerais plus en Supercar parce que je pense que je fais le tour de la Super 1600, qui est vraiment une catégorie magnifique avec des voitures qui sont géniales. Et puis, toujours avec cette envie de voir des jeunes qui évoluent, puisque j'ai eu quand même l'occasion de rouler avec pas mal de jeunes. Je suis passé par là aussi, mais c'est vrai que cette division est sensationnelle. Ne pas avoir participé, ça peut t'handicaper ou ça va revenir, un peu comme le vélo? Est-ce que ça va revenir très vite? Il va peut-être y avoir un petit peu d'adaptation, mais je pense que je vais essayer d'aller rouler assez rapidement pour pouvoir me remettre dans le bain. Mais c'est vrai que ça fait une année et demie là, que je n'ai pas roulé du tout. Alors, j'ai toujours une ou deux Twingo à traîner à la maison, donc je vais un petit peu essayer de temps en temps faire quelques tours. Mais voilà, ça reste une Twingo. Mais alors, par contre, je prends beaucoup de plaisir et j'emmène du monde. Donc, on passe des journées extraordinaires. Pour faire la transition avec Maximilien, je vais juste les présenter rapidement, si tu veux bien, Eric, pour les gens qui nous découvrent. Même pour toi, tu vas peut-être apprendre quelques infos. Mais bon, Laurent vient de répondre un peu à nos questions. Mais donc, Laurent, notamment, était champion en 2015 et vice-champion en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et j'en passe, sa liste de palmarès est très longue. C'est clairement le monsieur Super 1600. Moi qui suis un peu nouveau dans la rallycross, ça fait 5-6 ans. Voilà, moi, si on me dit Super 1600, je pense Laurent Chartrain. Et celui qui l'accompagne, donc c'est Maximilien Evenot, pareil, qui a dû passer 6 ou 7 ans en Super 1600 avec sa C2, qui a été vice-champion derrière Laurent en 2015, et qui a, Maximilien, eu la chance et s'est donné les moyens de rouler aussi en chemin d'Europe, avec des 5 finales sur 7 à l'OEA, qui a une deuxième place en 2017. Voilà, on a resitué un peu le contexte. On a monsieur Super 1600 en chemin de France et Maximilien qui a fait briller un peu les couleurs françaises à l'international. Donc voilà, ça c'était un peu pour les grandes lignes. Vas-y Eric, si tu as une question pour Maximilien. Ma première question, c'est une magnifique salle de trophée derrière toi. Par contre, je vois un X. Alors, est-ce que tu as été une ex-star de porno ou pas? Non, pas du tout. Justement, c'est le trophée de l'OEAC en 2017, ouais, qui reflète le logo du rallycross du championnat d'Europe. Ouais, mes yeux, des fois, m'emmènent ou me dirigent vers des endroits pas forcément recommandés. Maximilien, bienvenue, on ne se connaît absolument pas. Donc toi, vu tes trophées, pour le coup, tu as un historique derrière toi. Alors parle-nous très rapidement de toi, mais de ta voiture aussi. L'historique, oui, c'est un historique en sport auto depuis 2004. Moi, donc j'ai commencé par l'autocross, puis la Coupe Logan en 2008, qui m'a orienté vers le Super 1600 en 2011. Et donc, depuis, j'y suis. En fait, j'ai fait un peu le tour de cette catégorie, que ce soit tous les circuits. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de pilotes aussi, que ce soit des générations comme Laurent Chartrain ou des jeunes pilotes comme Valentin et Julien qui roulent encore actuellement. Donc, c'est vrai que j'ai, mine de rien, même si j'ai que 30 ans, j'ai quand même connu pas mal de pilotes et de circuits par le championnat d'Europe aussi, donc ça reste à l'heure actuelle. J'ai eu une grosse expérience, notamment avec la C2 en fait, où j'ai vécu pas mal de saisons. 7 saisons, c'est quand même beaucoup, et donc j'en ai vu pas mal de un peu de toutes les couleurs, on va dire. Et la Suzuki Swift pour toi aujourd'hui, c'est l'arme absolue ou la tu C2. Voulais rester axé C2? Il était en C2, ah, pas, non, mais je parle aujourd'hui. Non, il est en Suzuki, j'y comprends rien. Non, non, d'accord. Non, il était en C2. Et du coup, Max, on fera le tour des voitures après, Eric. On te fera un petit résumé de savoir les meilleures voitures. Max, un peu comme j'ai demandé à Guerlain Chichery vendredi, pour mettre les pieds rapidement dans le plat et après on passe à autre chose, vous nous manquez, que ce soit Laurent ou toi, vous nous manquez en chemin de France. Quand est-ce qu'on va te revoir, toi aussi? C'est pour l'instant un gros point d'interrogation. Cette année, pour moi, ça va être une saison de tous les cas de transition, puisqu'on a vendu la C2 il y a quelques semaines. Donc on va s'orienter forcément vers un nouveau projet.
cette saison, ça s'annonçait déjà comme une saison, on va dire, composée uniquement de quelques courses, quoi, une saison partielle, pour éventuellement préparer un projet pour l'année prochaine. Donc rien n'est encore figé, justement, notamment avec la crise actuelle, tout est en suspens. Donc je ne fais pas du tout une croix sur le championnat de France, en fait. C'est surtout que l'Europe, on a eu l'opportunité d'y participer, et c'était une superbe aventure, on n'a aucun regret. Maintenant, pour la suite, rien n'est figé, rien n'est gravé dans le marbre, comme on dit. Donc, pourquoi pas, on verra au championnat de France, au championnat d'Europe, tout est encore possible. Ok. Bon, et Eric, pour répondre à ta question, ils vont tous y répondre. Alors, du coup, c'est la meilleure arme, c'est pas forcément la Suzuki. On dirait plus les Audi A1 ou les Skoda, c'est les armes un petit peu actuelles. Et du coup, ça me permet de rebondir sur une question, et après, je te laisserai reprendre la suite aussi. On a parlé depuis tout à l'heure du Super 1600, qui était vraiment une catégorie hyper intéressante, très spectaculaire. Enfin, vous en avez tous dit du bien, et c'est nous, en tant que spectateurs, on en pense la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de frustrant quand même en Super 1600? Ça paraît difficile d'avoir toujours la meilleure arme, en fait. Il y a quand même un petit peu de différence entre les voitures. Laurent, je me retourne vers toi, ta dernière saison, voilà, on sait qu'il t'a manqué clairement une voiture un petit peu plus performante, le coup de volant tu l'as. Est-ce que c'est pas un petit peu frustrant quand même de temps en temps de voir que les voitures ne font que d'évoluer, le budget aussi du coup? C'est vrai que pour la saison 2018 c'était plus compliqué, mais en fait j'avais démarré cette saison-là en pensant faire autre chose, et je me suis retourné sur la C2 parce que je voulais absolument courir. Le problème, c'est qu'on n'avait pas fait les révisions adéquates. Donc, j'avais pas un moteur qui était à la pointe de ce qu'aujourd'hui je pourrais avoir, puisque le moteur est quasiment tout neuf, puisque j'ai toujours la C2. Mais c'est vrai que cette année-là, ça avait été un peu compliqué. Donc, on l'avait fait en milieu de saison. Et puis après, j'ai eu pas mal de petits soucis parce que du fait de manque d'entretien pendant cet hiver 2017-2018. Donc, ça a été un peu compliqué, certes. Mais bon, après, le championnat est toujours très, très disputé. Donc, il faut vraiment toujours être à la pointe du matériel et puis ne jamais sous-estimer les adversaires. Parce que avec Max, en 2015, on a pu en débattre. Et ça s'est vraiment joué à Dreux. Et il faut vraiment jamais rien lâcher. D'accord. Maxime, justement, pour parler de matériel, bon, tu es ingénieur chez Sadev, donc dans les boîtes. Alors, bon, nous, en rallye, on a l'habitude de dire qu'il faut qu'une voiture craque. Alors, est-ce que c'est le même cas en Super 1600 et dans votre discipline? Est-ce qu'il y a des boîtes courtes, des boîtes longues selon les circuits? Enfin, voilà, parle-nous très rapidement un petit peu de ce matériel qui est, semble-t-il, quand même assez important. Oui, c'est vrai que la boîte de vitesse, c'est quand même important. Elle participe beaucoup à la fiabilité. Donc, on n'en parle jamais puisque ça ne fait pas partie vraiment indirectement de la performance. Elle est associée au moteur beaucoup. Mais après, sur les étagements, en rallycross, on est plutôt sur des étagements courts. Hein, forcément, comparé au rallye, les circuits sont plutôt courts et serrés. Donc, on tend vers des étagements courts. Et après, je dirais qu'en Super 1600, on tend à peu près tous vers les mêmes choses. On n'a pas de grosses variations d'un circuit à l'autre. Et que ce soit même au championnat d'Europe, on est tous à peu près, on tend tous vers la même chose, quoi. Donc là-dessus, il n'y a pas de gros secrets, contrairement au supercar notamment, où on peut jouer non seulement sur l'étagement et les différentiels, notamment répartition avant, arrière, et qui ont plus d'importance, je dirais, en supercar que dans notre catégorie. Quoi. Tu penses, toi, avoir un avantage en étant ingénieur, justement, et puis c'est ton quotidien, un petit peu les boîtes de vitesse, tu as l'impression d'être un peu avantagé par rapport aux petits copains? Non, pas réellement, justement. À partir du moment où la boîte de vitesse fonctionne et que l'étagement est le bon, après, pas de réel avantage, non. Okay. Et comment, Julien et Valentin, comment, pour rebondir sur ma question de Laurent, comment vous pouvez-vous le vivre un peu de l'intérieur? Est-ce que des fois, il n'y a pas une petite part de frustration de se dire, ah, si j'avais une voiture un peu meilleure, je jouerais un peu devant? Est-ce que c'est vous qui venez de la coupe Twingo, où tout le monde a la même voiture et il n'y a que le pilotage qui fait la différence, est-ce que ce n'est pas un paramètre à prendre en compte et à s'habituer de se dire que peut-être des fois, on n'a pas la meilleure voiture sur le meilleur circuit? Julien, vas-y pour commencer. Oui, c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué. Si on prend l'exemple de 2019, c'est vrai que c'était compliqué d'aller chercher Yvonik. Donc après c'est le jeu. Lui, il a pris la décision de s'équiper d'une voiture qui était ultra performante. On aurait pu faire pareil. Donc non, c'est le jeu. Après oui, c'est vrai que c'est des fois un peu compliqué de se dire de toute façon ça va être compliqué d'aller gagner. Au mieux on peut aller chercher une deuxième place, une troisième place. Mais c'est le jeu. Valentin. Nous, pour 2019, on savait qu'on n'avait pas la voiture pour être champion face à quelqu'un comme Yvonik ou encore Jimmy. Mais là, pour 2020, le but, c'est d'avoir la meilleure voiture, hein, bien sûr, et d'être devant.
Après, pour 2019, on a quand même eu de belles batailles avec Yvonique, Jimmy, David Moulin, enfin tout le monde, tous les pensionnaires de la Super 1600. Ok. Laurent, une question aux anciens encore avant qu'ils nous quittent. Et donc, Laurent, monsieur Super 1600, moi j'aimerais bien savoir comment vous avez pris le phénomène des pilotes de rallye qui venaient vous voir en rallycross. Alors, bon, moi j'ai mes références à moi, hein, Lev Solberg en mondial, Vision Massé, ils sont arrivés, ils ont été performants très rapidement. Vous avez vu ça de quel œil en fait, Laurent? Moi, je vois ça d'un bon œil parce que plus on est de fous, plus on rigole. Et on sait qu'en rallye, la marge de manœuvre est quand même beaucoup plus restreinte que nous. Donc, ils ont franchement beaucoup plus de choses à respecter pour nous. On a le droit de se permettre de glisser un petit peu. Voilà, il nous arrive à rien. Eux, c'est pas le cas. Et puis, bon, j'ai quand même fait mes armes alors dans le circuit. Alors, moi, j'ai fait qu'un rallye dans ma vie en tant que coureur en plus. Donc, effectivement, je n'ai pas trop d'expérience, mais bon, je connais quand même pas mal de monde, puisque bon, en termes de formule de promotion, j'ai grandi avec Marc Amourette, gens comme ça, des gens qui font encore du circuit un petit peu. On arrive de plusieurs horizons. Moi, j'ai fait la Coupe Saxo au circuit, la Coupe AX, le Rallycross, avec tout ce que pouvait organiser Citroën avec cette Saxo. Donc, après, il était logique d'aller en Rallycross parce que j'avais plus de partenaires qui étaient proche du rallycross, mais effectivement de voir des gens qui arrivent du rallye, ça fait du bien, et puis ça veut dire qu'on a une discipline qui est attrayante et sympathique, et nous ça nous fait, moi ça me fait rêver de voir des Solberg, des Loeb, des gens comme ça. Ça a vraiment été un coup de boost pour cette discipline, quoi. Maximilien, toi, le côté compétiteur, de les voir arriver et de performer très rapidement, c'est... Bon, ça vous a peut-être pas fait peur, mais bon, vous l'avez vu d'un œil un petit peu. C'est surtout que ça permet toujours de progresser, de se remettre en question, pas rester sur ses acquis avec des concurrents qu'on connaît souvent. Quand on est dans le même championnat, on connaît un peu les concurrents, ou alors ceux qui changent de catégorie. Et là, ça permet d'avoir des pilotes qui arrivent de divers horizons, que ce soit du rallye, on en voit aussi du circuit, qui sont très performants. Et donc, c'est bien, je pense que dans l'ensemble, ça fait progresser la discipline. Au-delà du côté médiatique qui fait parler de. Forcément, du rallycross dans les autres univers, ça fait vraiment progresser la discipline dans son ensemble par un niveau de pilotage qui forcément progresse. Donc nous, voilà, c'est ça, on est obligé de s'améliorer aussi, de se mettre à leur niveau pour certains, parce que souvent quand ils arrivent, ils ont déjà une renommée et ils sont au point, donc ils mettent pas beaucoup de temps en général pour s'habituer aux caractéristiques, on va dire aux particularités du rallycross. Ouais, je pense que leur problème à eux, c'est de ne plus avoir personne à côté de soi. Donc ça, c'est probablement quelque chose qui doit un peu leur faire drôle. Vous, de votre côté, alors je rebondis très rapidement. Mathieu, tu reprendras ensuite la suite. Je voulais parler un peu des spotters. Alors, j'ai à peu près compris le principe du spotter. Ma première question, c'est pourquoi vous ne l'avez pas assis avec vous? Il serait peut-être encore un peu plus au courant de ce qui se passe, non? Oui, c'est sûr. Mais après, on a le... Autant en rallye, il faut forcément toujours être à côté. En rallycross, le spotter du bord du circuit, il arrive à voir toute la piste. Donc, c'est très bien comme ça. Ça fait du poids en moins. Valentin, toi, tu as connu l'année où, je crois, vous n'y aviez pas droit, hein, dans la formule de promotion. Alors aujourd'hui, comment cette année, enfin l'année dernière en tout cas, c'était vraiment c'est un vrai plus? Ben oui, en formule de promotion, c'était interdit, et en arrivant en Super 1600, j'étais très content d'avoir des spotters. Enfin, ça fait de la nouveauté un petit peu. Et oui, avoir des spotters, c'est vraiment très 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 motivant, et j'ai vraiment senti un changement en positif d'avoir des spotters qui gueulent pendant 5-6 tours dans le casque. Julien, toi, un spotter, ça peut vraiment vous faire gagner une course? Ah oui, complètement. Ça, oui. Moi, la première année où j'ai connu le spotter, c'était avec Oli Meka, quand j'avais la Twingo justement de Valentin. Et donc lui avait un vrai passé de spotter. Il savait ce qu'il faisait, et c'est vrai que c'était ultra motivant. Et si on avait un moindre coup de mou, on pouvait pas l'avoir plus de 2 secondes parce qu'on l'avait dans les oreilles de toute façon. Donc non, c'était top, ouais. Et ça l'est encore aujourd'hui. Ouais. Et Laurent, toi, avec ton expérience aujourd'hui. Le spotter, donc tu prends un mauvais départ, il faut absolument sortir au premier tour. Si lui te dit non, mais toi tu es convaincu que si, comment ça se passe? Qui prend le dessus là?
Ah, le problème, c'est que je reste un peu le chef, alors je fais un peu ce que je veux, mais j'essaye de respecter au maximum ce qu'on me donne comme info. Il est vrai qu'après, dans la voiture, on n'a pas le même ressenti que les gens qui sont autour du circuit. Effectivement, moi, je suis un petit peu quand même ce qui est dit dans le casque, parce que bon, c'est souvent, ils ont un œil beaucoup plus extérieur que ce qu'on voit nous, donc normalement, ils ont la bonne solution pour qu'on s'en sorte. C'est vrai que j'ai fait des fois plus à ma guise que ce qu'on me disait à la radio, mais bon, ça a marché, des fois ça n'a pas marché. Bon, c'est voilà, il faut respecter, on est une équipe et le but c'est que toute l'équipe gagne, quoi. Ouais, y a un peu de discussion des fois à l'arrivée, alors, si j'ai bien compris. Ouais, des fois c'est un peu compliqué parce que ouais, tu m'aurais écouté, bon, ça l'aurait fait, bah oui, je t'ai pas écouté, excuse-moi, on verra ça à la manche d'après. Allez, merci beaucoup pour cette petite. Ok, non, c'était parfait, Eric. Tu vois, tu rentres dans l'univers du rallycross, c'est parfait. On va profiter d'avoir ces quatre invités et on va surtout donner l'occasion à Julien et Valentin qui courent après leur première victoire en Super 1600 de poser une question à des pilotes qui en ont gagné plusieurs, des courses et même des titres. C'est l'occasion pour vous de voilà, vous avez deux figures du Super 1600. Valentin, vas-y, pose une question à qui tu veux pour avoir un petit conseil pour aller chercher ta première victoire en Super 1600. Je vais la poser à Laurent parce qu'il a gagné beaucoup, beaucoup de courses en Super 1600. Donc, comment on fait pour, je ne sais pas comment dire, pour être champion en Super 1600 face à Dimitar Perrault, par exemple? Il faut trouver les failles de ton concurrent et puis ne rien lâcher, être à 100% du premier jour du championnat au dernier jour. Ce qu'il faut faire, c'est être régulier en tout début de championnat, parce qu'en général, les voitures s'essoufflent un peu en fin d'année. Donc, faut être performant tout de suite, et tout de suite dans le match. Moi, ce qui m'a permis d'être champion 2012 et 2015, c'est tous les points qu'on avait pu mettre. Bon, en plus, on avait la Super Pole à une époque. Donc, en 2012, moi, j'arrivais à l'avoir assez régulièrement. Donc, ça mettait des points en plus. Donc, plus tu mets de points tout de suite, le temps que les gens se trouvent un petit peu, et puis tu fais la suite logique, c'est-à-dire qu'en fin d'année, tu peux gérer un peu plus ton championnat. Ce qui m'a valu avec Max, il s'en rappellera bien, c'est que la finale de Dreux, il fallait que je fasse 3, et si j'étais 4, c'est lui qui était champion. Et tu vois, on avait mis pourtant un maximum de points en tout début de saison, mais voilà, il a su gérer aussi son championnat comme il faut, et on s'est retrouvé au coude à coude pour les deux dernières courses, et c'était vraiment palpitant. Surtout que moi, quand à Dreux, j'ai quand même fait pas mal d'erreurs. Et en demi-finale, je crève. Il fallait être dans les 4, je fais 3. Après, je crois que Enzo Liebner casse le moteur de la Twingo en finale. Donc, j'étais 4 et je finis 3. Donc, c'est moi qui est champion. Alors que j'ai une épouse qui avait tout préparé et tout. Et c'était, attention, c'était spécial. Hein. Max t'en rappelle parce qu'on a fait une grosse soirée le soir. Mais voilà, c'est... Il faut vraiment être à 100% du début du projet jusqu'à la fin, quoi. Ok, merci Laurent. J'espère que tu as bien écouté Valentin. Julien, on te laisse poser une question à Maximilien. Ouais, moi j'ai posé une question un peu plus large. Je vais demander à Max ce qu'a apporté le championnat d'Europe, son expérience en championnat d'Europe en général. Est-ce que ça l'a rendu plus fort aujourd'hui, le championnat d'Europe, par rapport au championnat de France? Bah oui, clairement. C'est ce que je répète souvent, c'est-à-dire que dans le championnat de France, on reste un peu dans notre zone de confort. On connaît les circuits, on connaît les adversaires. Donc en fait, on gère un peu tout le temps notre effort. Et là, quand on va en championnat d'Europe, donc d'une, on connaît pas les circuits, on a tout à découvrir. Les adversaires, on les cerne, mais on les connaît pas tous parce qu'il y a souvent des nouveaux, justement, concurrents. Ils sont virulents. Donc vraiment, on n'a pas le choix de muscler un peu son jeu et puis d'être méfiant, d'être tout le temps déjà, comme on dit, au taquet, hein, parce que vraiment, si on relâche notre effort tout de suite, on peut perdre 5 ou 10 places très rapidement, c'est très serré. Donc clairement, oui, c'est sûr que je suis certain d'avoir énormément progressé durant ces deux saisons en dehors de nos frontières, ouais, clairement. C'est vraiment ça, quoi. Ce qui en ressort, ça nous force à sortir de notre zone de confort, aller plus loin tout le temps, quoi.
Ok, bah merci Max. Merci. J'ai une dernière petite question pour Max et Laurent, et après on vous laissera parce qu'on est déjà à 35 minutes d'émission, ça passe beaucoup trop vite, toujours trop vite. Max et Laurent, un pronostic pour le championnat Super 1600 2020, on sait que vous ne serez pas au départ de ce championnat-là, vous de l'extérieur, vous la liste des engagés qui se prépare pour vous, votre favori, Laurent, ton favori pour cette année? Allez, puisqu'il est avec nous, je vais voter pour Valentin. En plus, il m'a appelé en début d'année pour éventuellement rouler avec la C2 si la Twingo n'était pas prête. Donc, j'avoue que s'il pouvait être devant tout de suite, ça serait bien. Ok, très bien. Max, toi, un pronostic pour cette saison 2020? Pour bien connaître Jimmy, je dirais qu'il a quand même les cartes en main pour bien faire. Après, on sait qu'un championnat, là où il se joue, comme l'a dit Laurent, c'est surtout la régularité. Il faut surtout être régulier et d'entrée de jeu mettre beaucoup de points. On sait que Jimmy, c'est pas forcément son fort, on va dire, la régularité. Donc, ça va se jouer, à mon avis, là-dessus. Le plus régulier, en ayant une performance globale la plus élevée, c'est lui qui sera champion. Donc, si Jimmy arrive à se calmer, je pense qu'il sera difficile à aller chercher. Mais tout le monde peut... Enfin, il y en a beaucoup qui peuvent avoir la vitesse pour aller le chercher, à mon avis. Il n'est pas champion du tout d'avance et il faudra le voir aux premières courses. Surtout que ce sera un championnat court, donc il faudra tout donner dès le début. Ok, bah, merci messieurs, c'était un plaisir pour nous de vous avoir avec nous. Je pense que ça a été un plaisir aussi pour les deux petits jeunes. Et puis, on se donne rendez-vous le plus vite possible sur les circuits de rallycross. Sachez que vous nous manquez en France, alors n'hésitez pas à revenir derrière le volant. Ça marche ? Merci à vous. Allez, à bientôt. Bonne journée. Allez, moi, je rebondis très rapidement avec les deux jeunes. Alors, on a entendu Laurent un petit peu en parler. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a dans les paddocks, puisque c'est probablement comme ça que vous appelez ça, est-ce qu'il y a une forme d'intimidation de temps en temps pour aller voir l'autre? Alors, vous, les jeunes, est-ce que vous avez plutôt tendance à faire ça de n'importe quelle manière, hein, toujours de manière fair play, on va dire? Mais est-ce qu'il y a un peu d'intimidation là dans les paddocks, Valentin? En Super 1600, pas trop, moins qu'en Coupe Twingo, ou vraiment sur le pilote ou sur les pneus quand il pleuvait, etc. Donc oui, là, il y avait un peu d'intimidation. On cherchait un peu tous dans le paddock, mais en Super 1600, un peu moins. Ok, Julien, ton avis? Ouais, je reviens un peu, Valentin, là-dessus. C'est vrai qu'en Twingo, c'était un peu plus ça. En Super 1600, je dirais presque que c'est l'inverse. Quand on voit qu'il y en a un qui a un souci, on va facilement aller le voir pour essayer de l'aider ou de le dépanner. Donc, pas en Super 1600 en tout cas. Ouais. Et vous pensez, du coup, comme il n'y a que des filles en Twingo, là, que ça va être un peu le bordel, qu'elles vont un peu se tirer les cheveux toutes là? Ah, c'est à voir, c'est possible. Non, je pense qu'ils s'entendent tous à peu près bien. Donc, non, ça devrait bien se passer, je pense. Bon, okay. On est déjà bientôt à 39 minutes d'émission. Eric, on va terminer avec une petite séquence un petit peu décalée. Vas-y, je te laisse lancer cette séquence. Comme c'est ta première à toi pour le rallycross, on est parti sur ce thème-là. Ouais, donc voilà, vous l'avez compris, c'est ma première. Donc on va jouer à la première fois. Donc Valentin, à toi, ta première voiture. Twingo R1. Et toi, Julien, du coup, ta première voiture, mais de série, pas de course. De série, Suzuki Swift. Valentin, ta première fois. Allez, donne-nous l'âge, ça suffira, t'as pas besoin de nous dire qui. Je sais. Oh. Ok. Julien, ta première cigarette. Oh là là, c'est 17 ou 18 ans. Bon, ça va. Ton père doit regarder, je pense. Ouais, il est en face de moi. Valentin, ta première cuite. Oula. Mont-Blanc 2013. Ok. Allez, on va revenir un peu sur le sport auto. Julien, ta première victoire. Faleras 2016, saison de Twingo. Valentin, ce que tu considères comme ta première défaite. Première défaite, Dreux 2017. Une belle défaite, par contre. Ouais. Julien, ta première caisse. Ma première caisse. C'est ta première. Ouais, la première. En fait, en rallye, quand on rallye, en caisse, c'est un petit peu chiffonné. Voilà. T'as chiffonné, bien chiffonné la voiture. Il faut changer la caisse. Première caisse, je dirais Faleras encore, 2014, ma deuxième ou troisième course, où j'ai fait un tonneau. D'accord. Valentin, okay. Toi, ta première caisse aussi. Essai 2018.
Okay. Au départ, départ d'essai. Ok, bah merci messieurs, c'était rapide. On va clôturer avec la petite séquence sur la question des fans. J'ai deux, trois questions de fans en direct. Toi, Eric, il y avait une question que tu avais notée, il me semble, de la part du coin des fans du Rallycross. Je te laisse la poser si tu l'as devant toi pendant que je cherche les questions des fans en direct. Oui, oui, non. Donc aujourd'hui, on attaque la quatrième semaine de confinement. Vous faites quoi en premier en sortant de ce confinement, Julien ? En sortant de ce confinement, ouais. Travail. On a, comme je disais, on est en saison de moto, donc je pense que quand ça va reprendre, en espérant que ça reprenne le plus vite possible, il va y avoir énormément de boulot. Donc on va beaucoup de boulot, puis finir la Super 1600 et puis essayer de faire un peu de roulage avant ce début de saison. Valentin, toi, c'est quoi ton programme en sortant ? Alors, revoir ses amis, faire l'apéro, un barbecue. Et aussi finir la Super 1600 pour être prêt au plus vite possible. Ok, vous êtes au top. Ok, j'avais une question pour toi, Julien, sur le live Facebook sur la page Rallycross France. Est-ce que tu penses à la supercar ou pas du tout ? Non, j'y pense pas du tout. J'y pense pas du tout. Là, ce que je pense, c'est à la nouvelle voiture qui arrive, à la développer et qu'elle soit performante. Je pense qu'à ça. Ok. Valentin, il y a une question d'un personnage connu, hein. C'est Jean-Jacques Guibal qu'on salue, qui demande pour toi quel sera le ou les pilotes à battre cette année pour être champion. Il va en avoir beaucoup. Tout d'abord, Julien qui est ici, David Moulin, Paillardon, Jimmy Tarpereau, Nicolas Hauzan. Enfin, il y a une belle liste à battre cette année. D'accord. En effet, ça va être une belle saison. Comme on vous le disait depuis le début, voilà, le Super 1600, c'est vraiment quelque chose à découvrir et pour ceux qui connaissent pas et à suivre quand on est sur le bord des circuits, et on espère que voilà, il y a une réelle volonté de faire durer cette catégorie et en tout cas merci pour le plaisir que vous donnez aux spectateurs. Eric, je te laisse conclure et moi je prendrai le mot de la fin pour les remerciements. Eh ben on va tout simplement s'amuser encore un petit peu. J'ai chopé la lampe d'Aladin, donc bon bah le génie est sorti, il a pris le premier vœu, il s'est barré. Le deuxième vœu, ben il sera pour moi évidemment. On va quand même rester un peu égoïste pour le coup. Et puis donc, il reste un troisième vœu. Julien, toi, tu le formules comment ton vœu ? Gagner le championnat. Ok. Valentin, un vœu en particulier ? Même chose que Julien, gagner le championnat. Ok. Bon, c'est le même vœu. On verra si le génie arrive à s'en sortir. Merci en tout cas à tous les deux. Merci Eric hein, de nous avoir... De nous avoir accompagné sur cette émission. J'espère que t'en sortiras un peu grandi dans ton expérience de rallycross. Tu pourrais peut-être nous dire deux petits mots sur les deux fois où tu es venu sur le rallycross, de ce que tu m'as dit, c'est que tu avais passé vraiment un super moment. Ouais, non, vraiment, je découvrais tout. Donc c'était Font-Druand la première fois et donc tu m'as déjà dit que c'est pas le plus beau circuit de tout le championnat, mais moi en fait ça me paraissait quand même déjà plutôt intéressant à suivre, faire le tour. Bon, je suis pas allé sur les pistes, mais voilà, j'ai bien aimé. J'ai été surpris par les paddocks, les voitures, voir des polos. On a l'impression que c'est des vraies machines de guerre, hein. Je crois que c'était un Belge au volant de la polo. Je retiens pas les noms, mais en fait de voir de superbes voitures et puis bon bah de retrouver deux trois copains du rallye là-bas comme Jean-Seb et Antoine et puis bon voilà, je suis le premier fan de Tintin, donc on va dire que non et puis Dreux, Dreux ça a été aussi deuxième expérience. On était venu spécialement pour Valentin. On était à la finale de Chalon vendredi samedi. On n'a pratiquement pas dormi. On a fait Chalon-sur-Saône-Dreux dans la nuit pour y être le matin dès l'ouverture. Et là, c'est pareil. Ça a confirmé un petit peu mon... Alors, en plus de l'exploit et de la victoire de Tintin, mais ça confirmait vraiment qu'il y a une ambiance particulière. Et bon, c'est une famille, mais moi, j'invite tous les gens du rallye à aller faire un tour au moins une fois sur une manche de rallycross. Les départs, c'est juste impressionnant. Le premier virage, on n'en parle pas. Enfin bon, voilà. Non, il y a énormément de choses à vivre sur un week-end. Il manquerait peut-être deux, trois tours de temps en temps, mais je crois que là, les pilotes
seront peut-être du même avis. Il faudrait des fois en rajouter deux ou trois des tours. Ça va trop vite. Bon, merci, merci Eric. Merci de m'avoir accompagné. Un grand merci à nos invités. Merci Julien. Bon courage pour la suite de ce confinement et le travail. Merci Valentin. On remercie aussi Laurent et Max de nous avoir accompagnés. C'était un réel plaisir de vous avoir. On se retrouve mercredi pour la prochaine émission de Rallycross. De vous rester connectés, ça devrait être plutôt sympa. On a des invités plutôt sympas. Et puis nous, Eric, on se retrouve tous les deux dès demain, encore et déjà, pour une émission qui s'annonce aussi assez exceptionnelle. On va pouvoir l'annoncer là en direct. Je vais même te laisser le plaisir de l'annoncer en direct. Qui sera notre invité demain, Eric ? Alors, en gros, j'ai jamais interviewé de monstres ou de personnages très forts. C'est Andrea Adamo qui nous fera le plaisir de répondre à nos questions. On va être deux et on va l'affronter. Bon, pour les gens qui du Rallycross, Andrea Adamo, c'est simplement le patron de UD Motorsport, le team champion du monde en WRC. Donc, c'est un réel honneur d'accueillir ce personnage dans l'émission demain. Et ben, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes. Et on se retrouve dès demain. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Salut. Merci. Salut. Merci.